Bonjour, je suis Martine Fontaine, maquilleuse, conseillère en images et praticienne en art-thérapie. Depuis 2016, avec ma collègue Rosetta Bellomo, nous nous sommes spécialisés en conseil en images pour les personnes porteuses de handicap. Savez-vous qu'en France, 40% de la population est confrontée au handicap, de façon temporaire ou permanente? Cela représente 12 millions de personnes. Au niveau européen, les personnes porteuses de handicap représentent 80 millions de personnes, c'est-à-dire plus de 15% de la population dans l'Union européenne. 80% des handicaps sont invisibles. Les personnes différentes et leurs familles ont besoin de vêtements adaptés, qu'ils soient jolis, des vêtements colorés et pratiques à enfiler. Près de 2 millions de personnes éprouvent des difficultés à se vêtir du fait d'un handicap. En voulant se démocratiser, la mode a exclu les corps hors normes. L'ambition de ce défilé est d'encourager les grandes marques à dessiner, à créer pour tout le monde et d'introduire dans le programme des écoles de stylisme le vêtement adapté pour casser la discrimination et démontrer que l'on peut créer l'inclusion par la mode. C'est dire que le marché est donc considérable pour les créateurs. C'est aussi supprimer la dépendance de certains polyhandicapés en leur offrant l'accès à des vêtements faciles à enfiler, confortables et élégants. Des vêtements qui correspondent à leur goût, à leur personnalité, à leurs besoins, qu'ils soient personnels et ou professionnels, facilitant ainsi leur inclusion dans le monde social et le monde du travail. Notre motivation est de changer le regard sur la différence et pas seulement sur le handicap. Toute personne a droit à une mise en valeur. La mode est identitaire, elle permet de compléter, d'améliorer et de parfaire sa personnalité par le biais de vêtements, d'accessoires, de maquillage et de coiffure. Pour toutes ces raisons, Rosetta et moi-même avons décidé de créer ce défilé hors norme. Nous voulons créer un défilé original où chacun pourra s'identifier, où personne n'est exclu afin de casser les codes habituellement utilisés dans le domaine de la mode. L'inclusion de la différence doit passer par une mode adaptative et par la création de vêtements faciles à porter et tendances. En un mot, des pièces toute taille, tout poids et tout type de handicap. L'objectif est aussi de mettre en valeur des mannequins de la vraie vie, de contribuer à éveiller les consciences des créateurs et d'innover des marchés différenciés pour répondre à une demande. Ensemble, faisons bouger les choses en poussant les marques classiques à être moins frileuses. Démontrons que la mode n'est pas incompatible avec la différence. Innovons les marchés différenciés. Bref, participez à notre crowdfunding. Merci beaucoup. Au revoir.